suis un génie, jongleur magicien. Mon tour favori, c'est le coup du lapin. Je sais même faire fou. Tu vois ce que je vois? Yo les viewers, c'est John Fou. Alors aujourd'hui je vais pas jouer à un jeu de FPS ou de survie ou autre chose. Je vais tester un petit jeu que j'ai vu sur pas mal de vidéos. Bon après les commentaires comme quoi plagiat, tout le tralala, franchement j'en ai rien à battre. Je vous le dis tout de suite, je fais des vidéos que j'aime, c'est tout. Bon, j'ai trouvé le site sympa donc je vais faire une vidéo dessus, c'est tout. J'ai pas à chercher plus loin, donc il y a plein de youtubeurs qui font ces vidéos, ils se pointent des coms de plagiat ou des trucs comme ça. C'est bon, on va pas, par exemple, pour pas citer le grand S, si vous voyez à peu près de qui je parle, il a fait cette vidéo il y a, allez, on va dire 3-4 mois, et voilà quoi, c'est bon, hein. On va pas non plus, si on était obligé de faire qu'une seule vidéo par rapport aux autres youtubeurs qui ont déjà sorti les vidéos, on sortirait pas de vidéo, donc voilà quoi. Du coup, on va se lancer les gens, je vous présente le jeu, ça s'appelle Akinator, voilà, donc, délectez-vous, et c'est parti. Alors. Monsieur le génie. Bonjour, moi c'est Akinator. Pour débuter une partie, cliquez sur jouer. D'accord. Faites deviner des personnages ou faites deviner des objets animaux concept. Alors, animaux concept ou personnages. On va commencer petit, on va faire personnage d'abord. Je vais vous dire à quoi je pense. Et on va voir si... Monsieur Akinator, information joueur. J'ai 22 ans. 22 ans, vacciné, toutes mes dents, voilà. Du coup, je vais vous dire à quoi je pense. Il va falloir que j'en trouve un vite fait. On va prendre un personnage... personnage assez connu. Allez, on va prendre l'acteur de Die Hard, si vous connaissez, Bruce Willis. Ton personnage... Voilà, c'est Bruce Willis, hein, le personnage auquel je pense. Ton personnage porte-t-il des vêtements masculins? Oui. Ton personnage travaille-t-il sur une chaîne de télé? Une chaîne de télé... Il fait des films, mais une chaîne de télé... Bon, on va mettre « ne sait pas ». Ton personnage a-t-il vécu en France? Oula, bah non, il vit aux États-Unis. Ton personnage est-il réel? Bah oui, quand même. Ton personnage est-il un acteur? Oui. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans? Oui. Ton personnage tourne-t-il dans une série télé? Il a fait des séries télé, oui. Ton personnage joue-t-il un rôle de policier? Oui, il a fait des rôles de policier dans Die Hard. Ton personnage porte-t-il un chapeau de cow-boy? Dans un certain film, il se fait passer pour un Texan, il a un chapeau de cow-boy, donc on va dire oui. Mais pas tout le temps, c'est occasionnellement, quoi, c'est pour les films. Ton personnage a-t-il été marié plusieurs fois? J'ai pas été fouillé dans sa vie privée, donc je sais pas. Ne sais pas. Ton personnage est-il entouré de zombies? Non. Ton personnage a-t-il joué dans Walker Texas Ranger? Oula, ne sais pas. Ton personnage porte-t-il la barbe? Il a une petite barbe, Bruce Willis. Oui, on va dire oui. Ton personnage est-il décédé? Non, pas encore. Bon, il est vieux, mais bon, quand même. Ton personnage est-il noir? Non. Ton personnage est-il un pro des arts martiaux? Pas spécialement, non. Ton personnage pratique-t-il un sport de combat? Ne sais pas. Ton personnage a-t-il actuellement plus de 50 ans? Oui. Ton personnage a-t-il joué dans des westerns? Non. Pas que je sache.
Ton personnage est-il un acteur de séries télé? Ben oui, il a fait des séries. Oh là là, mais deux fois la même question. Ton personnage joue-t-il un rôle sur TF1? Non, il n'est pas sur TF1, non. Ton personnage est-il américain? Oui. Ton personnage a-t-il déjà eu le crâne rasé? Oui. Ton personnage joue-t-il Movie Star Planet? Non. Ton personnage joue-t-il dans Malcolm? Non. Je pense à J.K. Simmons. Non. Tu t'es planté. Tu t'es planté, Akinator. Ton personnage a-t-il la tête rasée? Oui. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Bah, moi je pense à Bruce Willis dans Die Hard, donc oui. Ton personnage est-il né en Europe? Non, il est aux États-Unis. Ton personnage est-il policier ou détective? Oui. Ton personnage est-il souvent vu avec un livre? Non, pas spécialement, plus des flingues que des livres. Ton personnage porte-t-il des cravates? Bah, dans la vie de tous les jours, je pense que oui. Mais pour les films, non. Il est plus habillé en bad boy, quoi. Ah, ces questions, elles sont un peu à double sens, quoi. Ton personnage a-t-il exactement deux enfants? Oula! J'en sais absolument rien. Ne sais pas. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas été fouillé dans la vie de Bruce Willis. Hein. Ton personnage sauve-t-il plusieurs fois la vie d'une même personne? Bah oui. Ton personnage joue-t-il un rôle dans une série en ce moment? Non. Pourquoi des séries hein, précisément? Juste parce que je t'ai dit oui à une série une seule fois, ça y est, t'es parti sur les séries. Ton personnage a-t-il divorcé? Ne sais pas. Je pense quand même. Ton personnage est-il actuellement toujours vivant? Oui. Ton personnage est-il le chef d'un groupe de personnes? Un groupe? Non, bah, il n'a pas un gang non plus. Il doit avoir une famille, mais voilà quoi. Ton personnage est-il noir de peau? Mais tu me l'as déjà posé cette question, non? Il se répète. Comment ça se faire vieux, hein, Kinator? Ton personnage porte-t-il un très long manteau? Non. On n'est pas dans Matrix. Ton personnage figure-t-il dans Die Hard? Ah bah voilà. Oui. Ton personnage a-t-il un côté monstrueux? Non. Je pense à Bruce Willis. Bien joué. Génial, encore trouvé, j'adore jouer avec toi. Ouais, je vais te poser une colle, tu vas voir. Bon, deuxième round. Alors, on va penser les amis à qui pourrait-on prendre? Qui pourrait-on prendre? Qui pourrait-on prendre? Je sais. Ah oui, mais attends, c'est un personnage. Il faudrait que je revienne en arrière. Jouer, on va mettre jouer, personnage, ah, objet. Personnage, objet? Non, on peut pas mettre les animaux? Je pensais au cochon babe. Bon bah tant pis. Donc du coup, c'est un personnage. Du coup, on va penser à... Allez, Superman, tiens. Ton personnage est-il américain? Oui. Ton personnage est-il une femme? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Bah, je pense pas, hein. Parce que sinon. Ton personnage a-t-il joué dans un film de super-héros? Oui. Ah, bah ouais, mais là, ça va être tout vu, là. Ton personnage a-t-il une combinaison rouge? Bah, elle est. Il a une cape rouge, mais elle est bleue, sa combinaison. Son slip aussi est rouge, mais son torse est bleu avec le triangle bas de son. Ouais, vous m'avez compris quoi, son blason de famille, de family quoi. Son blaze, le gros S quoi. Non, elle est pas rouge. Elle est en partie rouge, c'est un mixte. Ton personnage est-il joué dans Batman? Oui. Dans le dessin animé, moi je parle. Bah, il y a eu le film maintenant. Batman versus Superman. Ton personnage sauve-t-il des vies? Bah oui. Si c'est un héros,
Ton personnage n'a-t-il plus de père? Oui. Bah, il a perdu le premier quand sa planète elle a pété, Krypton, et son deuxième dans son père adoptif qui se fait tuer aussi. Ton personnage est-il toujours habillé en noir? Non. C'est pas Bruce Wayne, non, non. Ton personnage vole-t-il? Oui. Et là, il va me trouver direct. Ton personnage porte-t-il un slip rouge? Oui. Voilà. Ton personnage a-t-il été séparé de ses parents? Oui. Je pense à Superman. Je pense à Superman, personnage de fiction. Oh, la vieille photo flinguée. Ils nous ont mis la photo de merde, du dernier film, Man Steel, je crois. Je crois que c'est celle-là. Oui. Bon, du coup, on va penser à un petit peu plus dur. Rejouer. Question numéro 1. Ton personnage est-il réel? C'est de la fiction, donc non. Je pense à mince, c'est Olivier Queen, l'archer, si vous voulez, de comment dire, de Arrow. Ton personnage porte-t-il un masque? Oui. Ton personnage porte-t-il des habits rouges? Non. Ton personnage est-il le fils de Zeus? Non. Ton personnage a-t-il joué dans un Batman? Dans un Batman, oui, dans le dessin animé. Ton personnage n'a-t-il plus de père? N'a-t-il plus de... Bah oui, son père, il se noie dans le bateau. Oui. Ton personnage porte-t-il une cape? Non. Il n'a pas de cape. Ton personnage est-il gentil? Oui et non. Parce que on va mettre probablement. Parce que des fois, il fait des actes. Il plante des flèches un peu partout, il s'en bat les couilles. Ton personnage est-il de... Non. Pas de sexe féminin, non. T'es malade, toi. Bon, je vais me rouler une cigarette en même temps. Ton personnage est-il méchant? Probablement. Il a un côté gentil et un côté méchant. Ton personnage porte-t-il un masque rouge? Non. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Bah, Arrow. Ton personnage est-il masqué? Tu me l'as déjà posé. Oui. Ton personnage porte-t-il du vert? Oui. Je pourrais penser au frelon vert. Ton personnage a-t-il encore son père? Je t'ai dit que non. Oh là là, mon Dieu! Ton personnage a-t-il une petite sœur? Ah, bah oui, Théa. Oui. Ton personnage fait-il des concerts? Des concerts. Oui, des concerts de charité peut-être, mais. Sinon, ton personnage aime-t-il les hommes? Non, il sort avec. Mince, j'ai oublié son nom. La fille en fauteuil roulant. Je sais plus son nom. Ton personnage a-t-il vendu des disques? Non. Ton personnage est-il chanteur? Je viens de te dire non. S'il vend pas de disques, c'est qu'il est pas chanteur. Hein. Ou alors c'est que c'est un chanteur raté. Ton personnage a-t-il vécu sur une île déserte? Oui. Bon bah là ça y est, il m'a dit île déserte, c'est bon, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je l'ai dans le Luc, je pense à Green Arrow, Olivier Queen. Yes. Bon bah les gens, je me suis fait loose-dé en beauté. Attendez, on va en faire une petite dernière. On va tester. Je vais penser à moi-même. Mais en tant que joueur. Je vais penser à moi-même en tant que joueur. On va voir s'il me trouve. Normalement, il m'a pas dans sa base de données. Donc je triche un petit peu. Ton personnage a-t-il réellement existé? Oui. Ah oui, j'existe, je suis là. Ton personnage a-t-il vécu en France? Oui. Ton personnage sort-il avec une femme blonde? Donc là, on va mettre ne sait pas. Parce que j'ai pas donné de précision sur ma vie privée. Hein. Ton personnage est-il présentateur sur TF1? Non. Non, du tout, non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ton personnage est-il présentateur télé? Non. Ton personnage est-il un acteur? Non. Ton personnage a-t-il plus de 35 ans? Non, j'ai 22 ans. Ça me suffit pour le moment. Je me trouve déjà bien assez. Bon, je suis encore jeune, mais bon, quand même.
Ton personnage est-il un youtubeur? Ah merde. Probablement, parce que je suis pas encore connu. j'ai déjà des abonnés, je les remercie d'ailleurs, mais je suis pas connu. Ton personnage fait-il partie du milieu de la chanson? Non, du tout, non. Je ne chante pas. Ah! Veuillez un peu la voix, quoi. Ton personnage est-il devenu connu? Non, je suis pas encore connu, mon gars. Donc on va mettre probablement. On va mettre. Parce que j'ai déjà quand même 18 personnes qui me suivent, donc elles me connaissent un petit peu. Ton personnage est-il humoristique? Je fais un peu de délire, donc on va mettre probablement. Ton personnage a-t-il les cheveux longs? Ils sont mi-longs. Mi-longs. Donc on va mettre non. Mi-longs. Ton personnage est-il un animateur radio? Non. Ben non, mais si je t'ai dit que c'était un youtubeur. Ton personnage travaille-t-il sur une chaîne de télé? Non. Ton personnage fait-il partie du milieu du jeu vidéo? Oui, je fais des vidéos de gaming. Ton personnage est-il... Non, pas encore, non. Non. Bah perso, j'aimerais bien le rencontrer, hein, Squeezie, hein, s'il veut faire des vidéos avec moi. S'il veut faire un petit partenariat, ça me... Avec grand plaisir. Ton personnage a-t-il été découvert? Bah oui, découvert. Il y a 18 personnes qui m'ont découvert sur YouTube. Du coup, ton personnage a-t-il un lien avec la communauté Minecraftienne? Non, du tout, je ne joue pas à Minecraft. Trop de pixels et trop de carrés. Ton personnage est-il arabe? Oh là là, que non, je suis pas arabe. Ton personnage est-il un rapport avec League of Legends? Non, League of Legends c'est pour les kikous et les rageux. Désolé pour tous ceux qui jouent à League of Legends, hein, mais chaque fois que j'y vais, c'est pour se faire insulter et pour se faire ban, se prendre des reports et tout, tralala, donc ça sert à rien, moi j'y joue plus. Ton personnage porte-t-il des lunettes? Oui, quand je suis devant un écran, sinon dans la rue, non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Pokémon? Non. J'ai essayé de jouer à Pokémon Go sur mon téléphone. Je l'ai installé, il marche, mais mon GPS ne me trouve pas. Ton personnage a-t-il plus de 100 000 abonnés sur YouTube? Non, j'ai 18 personnes, j'ai pas encore le compte. Ton personnage joue-t-il à Counter-Strike Global Offensive? Non. Non, non, non. Ton personnage est-il gros? Non. Bon, pour vous dire, les amis, je pense à un ami à toi. Non, non. Non, non. Tu triches là, tu triches là, non. On va continuer. Je pense à un ami à toi. Mais t'as craqué là. C'est trop facile là. Ton personnage est-il un ami? Est-il un ami de Mister You? Non. J'aimerais bien, hein, mais non. Ton personnage joue-t-il principalement sur PC? Oui. Ça fait un peu glauque quand même penser à soi-même. Ton personnage a-t-il un rapport avec les cartes? Non. Bon, je sais jouer au poker, au tarot, toutes sortes de jeux de cartes, mais pas sur ma chaîne. Ton personnage dit-il toujours les mêmes phrases en début de ses vidéos? Oui. Bon, au début c'était à bon entendeur, salut, maintenant c'est salut les viewers. Ton personnage vit-il dans le même pays que toi? Bah oui, on est en France. Oui, il vit dans le même pays que moi. Ton personnage fait-il des vidéos sur GTA? Non, j'en ai pas encore fait. Ça viendra peut-être si on me demande dans les coms d'en faire. Parce que je peux en faire, hein. Il n'y a pas de souci, hein, les gens. Si vous voulez que j'en fasse. Ton personnage a-t-il déjà eu les cheveux longs? Non. J'ai toujours eu les cheveux courts. Là, ils sont en train de pousser, ils sont mi-longs. Ton personnage parle-t-il anglais? On va mettre probablement parce que je sais un minimum parler anglais, mais pas courant quoi. Ton personnage fait-il partie d'un groupe de 5 personnes? Non, je suis solo ou voire avec mon frère. Ou un ami, c'est tout. Ton personnage peut-il transporter son âme? Non. Non, 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 c'est quoi ta question là? Ton personnage porte-t-il un casque? Bah oui, quand je joue, ouais. Ton personnage fait-il des vidéos sur des jeux indépendants? Bah, pour l'instant, oui, vu que toi, tu es censé être un jeu indépendant, Akinator. Ton personnage a-t-il les cheveux blonds? Non, je suis brun. C'est con, hein.
Ton personnage porte-t-il parfois une perruque rose? Non. Sauf pour les anniversaires ou les mariages, ça dépend. Pour faire le con. Ton personnage joue-t-il du piano? Non. Ton personnage a-t-il une renommée mondiale? Non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Clash Royale? Non. Est-ce que ton personnage a les yeux bridés? Non. Pas que je sache. Ma mère est française et mon père aussi. Ton personnage pilote-t-il une moto? Non, j'ai un scooter. C'est pas le même calibre. Ton personnage fait-il des vidéos en rapport avec Nintendo? Oui, j'en ai fait. Bah, j'en fais toujours d'ailleurs avec Zelda. Oui, ton personnage est-il célibataire? Oui. Ah, attendez, on va corriger. Je suis censé pas répondre, je suis censé pas savoir en fait. Ne sais pas. Ton personnage joue-t-il à Call of Duty? Non. C'est la même chose que pour LOL et tout, c'est bien pour décompresser, tu fais 2-3 parties, mais après, t'as toujours des kikous ou des rageux au micro qui sont en train de gueuler, donc c'est relou. Ton personnage a-t-il déjà chanté en duo avec Rihanna? Non. Non, non. Ton personnage travaille-t-il chez Gaming Live? Non, du tout. Je travaille pour moi-même. Ton personnage a-t-il une moustache? Ouais, quand ça pousse, mais là je suis rasé. Donc là, on va mettre probablement, et on est à la question numéro 50, hein. il a toujours pas, ah, je pense à Willong. Non, désolé, ce n'est pas Willong. Bon, c'est vrai que, ouais, on aurait pu penser à Willong, mais big up à toi, hein, Willong, si tu nous vois, mais non, ce n'est pas Willong. Ton personnage a-t-il fait des vidéos sur Zelda? Ah l'enfoiré. Oui. Ah, il va penser à Siphano. Tu t'es planté! Ton personnage porte-t-il souvent des lunettes? Oui, quand je suis devant mon écran. Ton personnage fait-il des vidéos comiques? Pas quand je fais du Zelda, non. Je fais des petites vannes, mais voilà quoi. Probablement. Ton personnage a-t-il été gros? Non, j'ai jamais été gros, non. Ton personnage a-t-il plus de 18 ans? Oui. Ton personnage utilise-t-il la foudre? Non. Si j'utilisais la foudre, alors là, t'inquiète pas que je serais pas en train de jouer avec Inator. Est-ce que ton personnage est amoureux de quelqu'un? Ne sais pas, on va mettre. Personnellement, non, je suis pas amoureux de quelqu'un. Hein. Ton personnage est-il marxiste? Ne sais pas, parce que marxiste, je ne sais pas du tout ce que c'est, les amis. Si vous savez, laissez-moi un com. Comme ça, je me coucherai moins bête ce soir. Ton personnage travaille-t-il généralement en duo? Non. Ton personnage fait-il des vidéos sur Super Mario Maker? Non. Ton personnage a-t-il souvent eu des rôles comiques? Non. J'ai pas eu de rôle, non. Ton personnage est-il actuellement en couple? Ne sais pas. Ton personnage porte-t-il des lunettes de vue? Oui. Là, on est à la 64e. Hein, Ton personnage fait-il partie d'une bande? Non. J'ai pas de gang, non. Ton personnage a-t-il un rapport avec la neige? Non. Ton personnage est-il québécois? Non. Ah, il va me proposer quelqu'un. Je pense à Xeleco, youtubeur. Non. On continue? Oui. Allez, on continue. Question numéro 67. Ton personnage fréquente-t-il une école? Non. Ton personnage a-t-il la tête rasée? Non. Ton personnage a-t-il de la barbe? Oui, quand ça pousse. On va mettre probablement. Ton personnage a-t-il le plus souvent des cheveux longs? Non, pas le plus souvent. Ton personnage appartient-il à un mouvement d'extrême gauche? Oula, ne sais pas. Moi et la politique, ton personnage a-t-il pris de la drogue? Non, personnellement non. On va mettre ne sais pas. Ne sais pas. Ton personnage s'est-il fait connaître grâce à Twitch? Non. Peut-on voir ton personnage dans You Are Beautiful? Non. Elle a du mal, hein. Ton personnage a-t-il un rapport avec des jeux de tir? On va mettre probablement parce que j'ai fait du Evolve et du Rainbow Six. Mais après, du Zelda, il n'y a pas de shoot dedans, quoi. Ton personnage a-t-il les cheveux roux? Non. Mais bon, là je suis obligé de lui poser une colle parce que normalement il m'a pas dans sa base de données.
Donc, je suis obligé de gagner. Ton personnage joue-t-il d'un instrument? Non. Ton personnage est-il en compagnie d'un chat? Oui, actuellement j'ai un chat, mais je l'ai précisé nulle part. Donc, on va mettre ne sait pas. Ah bah non! Ah bah non! Autant pour moi, les amis. Autant pour moi, en compagnie d'un chat. Bah non. Non, on va mettre non tout court parce que je le montre pas en vidéo. Ton personnage fait-il partie du studio Wankill Studio? Non. On est à la 80e question, hein, les amis. 80. Je pense à Voquetal Boom Beach France. Bah, Voquetal, hein, big up à toi. Tu passes. Mais non, je ne pensais pas à toi. Non. Du coup, ah bah du coup on lui a posé une colle je crois. Si tu vois le personnage auquel tu pensais dans la liste suivante, clique sur ou les noms. Voquetal, Amixem, Frédéric. Non, j'y suis pas. J'y suis pas, c'est normal. Mon personnage n'est pas dans la liste. Eh oui. Et qui penses-tu? À moi-même. John Fou. Eh ouais, tu m'avais pas dans la base de données. C'est ballot, hein? Visiblement, je ne connais pas ton personnage. Pour valider l'ajout de ce personnage, merci de vérifier le nom. La description doit signifier un contexte pour éviter la confusion avec un homonyme. Exemple, Henri IV, roi d'Angleterre. John Fou, description, youtubeur. Voilà. Envoyé. Bravo, tu m'as posé une colle. Mais c'était obligé, de toute façon, il m'a pas dans sa base de données. Bon, mais du coup, les gens, on va faire rejouer, mais on va s'arrêter là. Du coup, bon, ben voilà. Voilà qui conclut la fameuse vidéo sur Akinator. Donc, mais bougez pas, les amis. Je vais enlever Akinator. Akinator, enlève-toi. Bim. Et bim. Me revoici. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un like, un com et à vous abonner si ça vous fait plaisir parce que c'est gratuit. Ça vous prend même pas 2 minutes. Vous avez juste à créer un compte Google et puis à vous abonner. Donc, ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis, ben, à une prochaine vidéo et capuche. Je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe éclairer ta lanterne. Si Alibaba a 40 voleurs, Scheherazade 1000 histoires de cœur, ton maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gants, allume la mèche et tu seras gagnant.